Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une activité pour les petits qui sont donc les couleurs et les couleurs primaires. C'est une activité que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la peinture et ça fait découvrir à l'enfant des choses assez fabuleuses qu'on oublie. Alors en fait, j'ai commandé le matériel sur Internet, sur Amazon. Ça, c'est la marque Learning Resources. Je la cite souvent dans mes vidéos parce que il y a beaucoup de ressources justement en fait. Hein, ce sont beaucoup de matériels qui sont achetés par les maîtresses d'école. On trouve beaucoup de choses et c'est de bonne qualité. Donc là, ça s'appelle Color Paddles. Et alors en fait, c'est tout simple. Hein, vous avez une boîte avec des couleurs. Alors, c'est des petites palettes en plastique. Donc il y a le bleu, le vert, alors tout simplement découverte déjà des couleurs avec l'enfant jeune, donc le jaune, le rouge, le bleu, le vert, etc. Mais après, l'idée c'est d'associer, pour fabriquer les couleurs, donc avec les couleurs primaires. Donc en fait, là, on montre à l'enfant qu'avec du jaune et du bleu, on peut faire du vert. Et alors ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve le même vert. Voilà, en fait. Alors, ici, on peut après comparer avec l'enfant. Alors, ce qui est bien, c'est de le faire à la lumière ou sur une tablette ou sur une table lumineuse. Ça, j'y reviendrai, la table lumineuse. Voilà, donc après, on peut faire des comparaisons. Le vert, jaune et bleu, on obtient du vert. Comment on fait du orange? Alors là, on demande à l'enfant s'il sait faire, par exemple, du rouge. Et du jaune, ça fait orange. Et on compare avec l'orange qu'on a. Là, c'est orange. Comment on fabrique du orange avec du rouge et du jaune? Voilà, c'est orange, c'est pareil. Etc. On peut faire du marron avec du rouge et du vert. On fait du marron. Comment on fait le violet aussi? Donc là, pareil, on montre à l'enfant. Comment on pourrait faire du violet ensemble? Alors, on prend une palette rouge avec le bleu, ça fait du violet. Ça doit vous faire penser à un livre très Montessori, qui est les couleurs avec Balthazar et Pépin. Donc vous pouvez d'ailleurs vous procurer ce livre qui est totalement en adéquation avec cette activité. Donc ça fait une petite activité sur les couleurs que je trouve vraiment très sympa. Et si vous avez une tablette lumineuse, alors là c'est encore mieux. Mais j'y reviendrai dans une autre vidéo.